Tiens, maintenant je crois qu'il faut faire un peu de culturel, donc voilà, je t'analyse. Attends là, bien mignonne. Elle est mignonne quand même. Ouais, mignonne. Bon, mais du coup, j'ai déjà un peu fait toutes les vidéos sur ça. Je suis déjà venu, j'ai déjà visité, j'ai déjà fait le coup du serpent, raconté l'histoire. Je vous propose qu'on passe assez vite, voilà quoi ça ressemble, Tanalot. Il y a une porte, avec des gens qui se prennent en photo dessous. Et des dragons en bas, une deuxième porte. Les vendeuses qui vendent cette espèce de oiseau qui bouge. Apparemment elle en vend, ça a l'air de marcher. Ce sont des gens avec des appareils photo pour nous prendre en photo. Ils sont sponsorisés par Canon apparemment. C'est un business florissant, les gens se font vraiment prendre en photo par ces photographes. On pourrait croire que c'est une option ridicule, mais pas du tout, ça marche fort pour eux. Il y a un palmier juste devant le temple. Ah mais cette fois-ci c'est marée haute, alors du coup c'est pas mal, le temple est comme au milieu de l'eau. Ça rajoute un truc, la fois où j'étais venu c'était marée basse, du coup on pouvait y aller à pied, là on peut pas. Pas mal, ça rajoute, ça rajoute. Il y a le café où on mange au milieu des ragondins aussi, toujours, il est là, pas bougé. Les loueurs de serpents pour se prendre en photo. Alors ça c'est flippant de se prendre en photo avec un serpent quand même aussi. Oh là là, ils en ont plein dans des sacs en plus. Surfer le temple, pourquoi pas, bonne idée. Bon voilà, les temples c'est fait, hop, activité touristique rapidement gérée. J'ai aussi nettoyé cette moto avant de la rendre parce que j'ai peur qu'ils apprécient pas tellement que je la rende pleine de sable et de sel. Comme il la lave là, quand même le loueur devrait y voir que du feu, il pourra croire que je suis pas allé du tout sur la plage avec. Ça devrait bien se passer. Ah bah voilà, c'est le retour à la réalité. Après on va pas se mentir, c'est quand même vachement plus pratique un scout, hein. Pas de vitesse, léger, facile à manier. Un coffre aussi, très chiant une moto que ça avait pas de coffre, très pratique un coffre. Mais bon c'est quand même beaucoup moins sexy quoi, là on a pas de dégaine. Dommage ça. Pourquoi les trucs pratiques sont jamais stylés? Aujourd'hui on n'a rien de prévu, ça va donc être une journée de chill à Bali. Et là on est à Penny Lane qui est un endroit super beau. Un petit tour rapide. Ce corner qui inclut des cactus, des fauteuils trop stylés et un plafond peint à la Léonard de Vinci un peu. Enfin Michel-Ange, une version plus moderne, il se passe une clope. T'as des boîtes, le tout en extérieur. Ici on a des petits anges avec des mitraillettes. La Joconde qui a choisi la Thug Life. En plus ils ont des vitraux avec les meilleurs. Jimi Hendrix et Tupac. Ouais, évidemment les toilettes défoncent hein. Il y a même Queen Bee. Grand portrait de Queen Bee dans les toilettes. Après Snoop, Kanye, Dre, Ice Cube. C'est super aussi. Bon, ce corner est plus chelou. Ça partait bien avec une super table en bois, un super fauteuil, un espèce de plafond incroyable avec du tissu et un lustre d'eau. Et là au milieu, ils ont mis la Gorgone Versace. Avec un éclairage derrière. Après, il y a quand même les cactus qui tournent en rond. Et puis bon, une touche bling, c'est pas désagréable non plus. Un peu de Versace, ça fait plaisir. Voilà, c'est très blogueuse, très Instagram, c'est pour ça que j'ai passé les lunettes orange, ça me semble absolument nécessaire ici. Aussi, chose amusante, les fauteuils sont Yves Saint Laurent. YSL, le logo, c'est à l'envers là, non? YSL, on voit mieux sur celui-là. Enfin, la version balinaise, quoi, mais c'est quand même un point amusant. Ils sont lourds aussi. Il y en a aussi des Chanel, très beau modèle. Gros luxe de chaises. Après, il y en a aussi des en bois, des normales, tout ça, c'est juste ce corner où elles sont comme ça. Mais franchement, tout est stylé, même le truc pour le menu, pour scanner le code. Ah, évidemment, il y a un magasin qui vend les trucs les plus hipsters de la Terre. Des baskets Chanel Pharrell Williams. Des baskets, des boîtes à 80 balles. Mais par rapport à la beauté de l'objet, c'est pas non plus abusé quand même. Dans la boutique aussi, le plafond tue vraiment. Évidemment, il y a aussi les baskets off-white que je soupçonne d'être des fausses. Je sais pas, elles ont un truc qui fait off. Ah ouais, elles sont pas assez chères aussi pour des vraies. En tout cas, il y en a qui ont beaucoup de plaisir dans cette boutique et qui ont même acheté le t-shirt. Ouais, qui ont acheté le merch du restaurant. Puis maintenant, t'es habillé comme les serveuses, donc tu pouvais nous gratter un supplément avocat. Onion ring. T'as l'impression que ça te nettoie, ça te... en même temps, c'est orange, carotte, gingembre, ouais, délicieux. Ouais. On est parti sur des calamars et un burger aux champignons. Fait amusant, ils ont mis le cornichon sur le dessus comme ça. Note la beauté de l'assiette aussi. Hein. Beauté de l'assiette. Beauté de la frite aussi. Assiette qui se lave à la main. Hein. Enfin, on est sur un. Regarde, c'est la voilà. Beauté. Hein, et le burger contient de la purée, de l'avocat, un espèce de champignon frit, de la salade et des oignons. Entièrement vegan et plus... ça a l'air. Ça a l'air, ça a l'air. Voyons ce cornichon. Un cornichon. C'était délicieux, mais. Je voulais aller faire du surf. Je sais pas si je vais pas couler maintenant quand même. Allez, toute cette joyeuse sauce coûtait 20 euros. Tout rond. C'est quand même plutôt un bon prix, 10 euros chacun. Just breathe. Je vais éliminer ce chouette burger. Vraiment, hein, j'ai surfé pendant 2 heures et tout ce que t'as eu, c'est ça? Bah oui, mais en fait, j'ai pas vu le reste. Hein. Par contre, si tu veux, j'ai une blague pour la fin. Ah, vas-y. Alors, si tu as le Covid, tu sais ce qu'il faut faire? Tu bois 1 litre de Pulco. Parce qu'après, t'as plus le Covid. Pas mal. Faut que je trouve un métier. Let's take this thing higher. Higher than you ever been. Stand tall like Everest. I mean higher.